Donc, en fait, les scénarios sont multiples. Toutes les solutions sont envisageables, mais les solutions envisagées par le pouvoir exécutif en France ne sont pas les nôtres. Il s'agit de faire bouger les choses, de bouger nous-mêmes. C'était au début des années 80. Il est même arrivé que l'on gagne. Ça ne vous dit peut-être rien, mais à 25 ou 30 km de Tours, au nord, à Neuville-le-Roi, il y avait un projet d'enfouissement de déchets radioactifs dits de faible activité. Eh bien, c'est après un débat d'un de mes amis et moi-même avec deux personnes de l'endroit qu'un référendum a été fait dans cette commune. Et le maire qui voulait des déchets radioactifs était obligé de coucher les pouces parce qu'il y avait 80% d'opposants. Donc ne soyez pas désespérés, il y a des moments où l'on gagne. Quand les gens se sentent vraiment
qu'ils se sentent, qu'ils vont perdre leur santé, ouais, je trouve pas ce mot-là, bon, bref, eh bien, ils risquent de devenir antinucléaires. Si bien que là, ils ont mis la main sur l'OMS, et l'OMS délivre un label santé à l'industrie nucléaire, ce qu'il faut qu'on continue de dénoncer. Donc, je vais vous parler de projet éolien citoyen. Quelqu'un parlait d'énergie partagée tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce que disait Paul, participer à Genève, c'est une action forte. Et c'est important d'y aller lorsqu'on a une période de vacances, y passer 3 ou 4 jours. On est reçu chez l'habitant. Mais c'est une action vraiment à faire parce qu'on a besoin de citoyens pour mener cette action à Genève. Voilà. Il y a déjà 400 à participer. Mais il en faut plus pour tourner sur toute l'année, tous les jours ouvrables. Le projet éolien citoyen, ça se passe dans le pays de Redon et de Vilaine. Ce sont des citoyens qui ont décidé de mener leur propre projet de parc éolien. Ça veut dire que ça peut se faire. Et ça s'est fait. Actuellement, sur la commune de Bégane, il y a 4 éoliennes qui se montrent par investissement de citoyens qui ont investi dans des cigales. Une soixantaine de cigales se sont créées. Et donc, une structure s'est créée aussi juridique pour monter le projet. Et donc, les financiers les banques ont suivi, puisque les 4 éoliennes coûtent la modique somme quand même de 12 millions d'euros, il a fallu faire un prêt. Mais les citoyens ont apporté 25% du coût global du projet. Ça veut dire qu'on est propriétaire de nos éoliennes et on est rétribué. On est rétribué sur la partie de l'énergie, les ressources qui sont revendues. Et ça équivaut à l'équivalent de 8000 foyers alimentés, c'est-à-dire l'équivalent de tout un canton. Et ça, c'est sur par chauffage. Parce qu'on n'a pas besoin de se chauffer à l'électricité. Il y a d'autres moyens. Donc voilà, c'est pour dire que ce projet-là, il prend corps, il existe. Il y a d'autres projets de même nature qui se montent à côté à Sévérac-Guerouet. Et d'autres projets SM dans le pays d'Anceny et dans d'autres endroits encore, sur l'exemple de ce qui se crée là dans le pays de Redon. Donc, appel à tous les citoyens pour se mobiliser et aller sur Éolien Citoyen pour prendre toute l'information, si ça vous intéresse, de réfléchir à la création d'un propre projet dans votre secteur. Merci. Merci à ces divers intervenants. Je vous propose maintenant de repartir au village. Donc si vous voulez bien remonter, on va repartir tranquillement. Quand je dis tranquillement, c'est quand même... il faut y aller parce que dans 5 minutes, on a une conférence qui démarre.